Bonjour à tous. Imparable ces derniers mois, le numéro 7, Hampton du Vivier, se présente comme le cheval de la course. Ce pensionnaire de Sébastien Ernaud vient d'aligner des succès à Saint-Malo et Pornichet et des accessites à Agon-Coutainville ou encore Caen. Il semble n'avoir jamais été aussi performant que ces derniers temps et sera de nouveau pieds nus. J'aime aussi beaucoup le numéro 2, Héros des Loyaux, qui vient d'effectuer une rentrée correcte sur la piste des Sables d'Olonne. Cet élève de Mathieu Abrivard avait été convaincant à l'occasion de succès enregistrés cet été sur les hippodromes de Pornichet et Châtelaillon. Même sans être encore à 100%, il peut ambitionner un podium. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Cote dans la cinquième.